Bonjour et bienvenue. On y va. On y va. Alors, la question c'est où est-ce qu'on va? La question c'est où est-ce qu'on va? On va continuer. On s'était un peu concentré. Ah oui, on s'était. Oui. Ici. On avait arrêté un peu l'histoire principale parce que bah, ça faisait déjà trop longtemps que je jouais. Je crois qu'on avait des pommes, on doit récupérer la pomme. Ah, d'accord. On doit récupérer la pomme. On a plusieurs endroits. D'accord. Ok, on a la grande pomme qui est toujours débloquée. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Là-bas, je sais plus si on avait fini. On va aller voir. Hop là. Ah, il y avait ça. Non, je pense pas qu'on ait fait ça. On va voir. On va voir. Je vois rien du tout. Attends, c'était pas une faille? Je me rappelle qu'on avait fait une faille, mais je suis pas sûr si c'était celle-là ou pas. Ah, attends. Si, c'est la faille qu'on a... Oui, c'est la faille qu'on a faite. Bon, je me rappelle. Bah, je pense qu'on a tout fait. Ça, c'est les gardes. Ah, il y a des offrandes, hein, on va y aller. Ça, c'est loin. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on peut aller prendre la pomme. On va aller récupérer les offrandes. Ok, c'est bien ce que je pensais. Il parle beaucoup. Très bien, qu'est-ce qu'on a? Être un peu relou, je pense, lui. D'accord, super, bien joué. Oui, c'est vrai. Oh putain, mais il a un compte, c'est une onde de choc, quoi, mais c'est ouf. N'importe quoi. Il est aussi puissant le machin, je vais pas utiliser les potions.
J'aurais dû utiliser ma potion bien avant en fait. Oh. Ouais. Au début, je voulais pas l'utiliser. Je voulais pas utiliser de potion au début. Mais je vais être honnête, j'aurais dû en fait. J'aurais complètement dû. Tu savais que ce coq fut autrefois le grand Alectrion, le piaf insupportable. Oh mon dieu, le coq légendaire. Celui qui hurle à chaque fois que le soleil se lève. En personne, oui. Coupe-lui la tête, Phoenix. La dernière chose que j'ai envie d'entendre après avoir bu avec Dionysos, c'est bien cet oiseau. Oh. Ok, bon bah. Astier, il veut qu'on lui coupe la tête. Du coup, on va s'exécuter. D'abord, on va voir si on peut pas tuer ses copains. Très bien. Je vais regarder un peu à droite à gauche. Ah ok, c'est là les... pour mettre les pierres. Ça marche. Merde. Attends, il m'a vu ou pas? Non. Je peux faire ça à chaque fois, j'oublie. Oui, mais ça me consomme de... Un truc qui est embêtant, c'est qu'on, si on se met accroupi, on peut pas. Ah putain de... Oh la vache, je fais de la merde quoi. Ma manette, il va falloir que je change. Je voudrais bien un truc maintenant. Attaquer. Il y a rien du tout à attraper. Est-ce qu'on peut lui faire un... une attaque spéciale là? Tiens. Ok, 96, ouais, on est bon. Bon, let's go. Il fait pas très mal. Ça va, c'est une victime, c'est une victime. Qu'on se remette sur la zone de combat. Waouh! Je vais juste spammer les grosses attaques. Ah mais j'aurais dû faire le lac. Ah, j'aurais dû faire mon attaque du marteau quand il était sonné. À chaque fois j'oublie que j'ai cette attaque en fait. Comme j'ai dit, il y a tellement de trucs à chaque fois.
je suis limite perdu en fait sur les habilités à faire. Alors, ça fait quoi? Moins 50% de consommation d'énergie au fil du temps avec l'occultation de phosphore. Ah, c'est quand il est qu'on se rend invisible. Ouais, mais moi, j'aime bien ça, quoi. Après la génération d'explosion, est-ce que ça fait plus de dégâts ou pas? S'il faut, en fait, ça fait pas plus de dégâts. Ah oui, c'est mieux quand même. Ça fait pas plus de dégâts s'il faut, ça fait juste bah, une explosion. Bon après s'il y en a un, j'en sais rien. Bah, honnêtement c'est pas ce qui nous manque, les potions d'endurance. Donc j'ai envie de dire, si jamais on fait une explosion et qu'il y en a plein à côté, ça pourra les one shot. Ouais, non, on va garder ça. C'est sympa hein, de garder des... C'est toujours sympa hein, de garder des ressources et tout ça, de faire attention. Pardon ? Mais si ça sert à rien. Bon, du coup, on va faire ça. On va se concentrer sur ça. Et après, on va continuer notre quête principale. On n'est pas dans Zelda, ah si. Ici, on est dans Zelda, ça marche. Ah j'ai... Hein ? Mauvaise touche. Ça arrive encore souvent je trouve. Ça arrive trop souvent. J'ai vu qu'il y avait un vent derrière. On va peut-être faire... Ah quoi que... Genre là, on va tester l'explosion. Ok. Ouais, non, ça tue. Voilà, pour ça que on n'a pas changé. C'était l'exemple parfait quoi du pourquoi on n'a pas changé phosphore. L'explosion, ça a défoncé tout le monde. Pardon. Va aller
aller prendre l'ascension. Faut qu'on utilise plus souvent le truc d'invisibilité là, c'est quand même vachement OP. Est-ce que on peut. Non, on peut pas garder la flèche. Je préfère. J'ai préféré faire la flèche commandée là, comme ça c'est plus simple. Oh! Bien joué. Je crois pas que ce soit la dernière. Ah oui, ça c'est les pommes. Du coup... Je crois qu'on est allé. Non, peut-être pas, parce que s'il n'y a rien qui est activé. Ça me dit quelque chose d'avoir fait ça. Je crois qu'on l'a fait. Ah, là-bas aussi. Qu'est-ce que... Je... Peut-être tout en haut. Je crois qu'on s'était téléporté là. Est-ce que ça serait à chaque fois dans des. Dans ça là? Des huîtres? Non, pas des huîtres. Des palourdes. Des palourdes. Voilà, j'ai envie de dire moi. J'adore le jeu. Est-ce que ici c'est. Ah. Trouver une. Ok. Ouais, ça doit être tout ça. Ça doit être tout ce. Tout ce. Enfin, les mêmes choses. Voilà, on fait voir. On en a une là. Deux. Ah, mais il y en a plein en fait. Mais du coup, est-ce que c'est les bonnes? J'aime bien aussi le fait qu'on puisse récolter pendant qu'on vole ou qu'on est accroché à une corniche. C'est vachement cool. Non, t'es sérieux? Oh non. Non. Tu ne t'es pas encore enfoncé de l'âme dans les yeux? Non, honnêtement, j'ai pas envie de me retaper le truc. Ça va. Ça va me prendre 3 siècles encore. Si je me fais one shot, je vais m'énerver.
J'ai envie de dire que le one shot, le one shot là, ça commence à m'inquiéter. Parce que faut être honnête, on utilise genre ça ou ça. Donc en gros, on utilise toujours cette armure. Désolé, je buvais. Donc ça m'inquiète un peu parce que notre défense, elle est comac en fait. Mais on se fait quand même one shot. Donc ça m'inquiète. On va aller voir ça. Il n'y a pas d'indice où elles sont. Ça, c'est quoi exactement? Parce que ça, je me rappelle pas exactement. C'est censé nous montrer quoi? Genre les endroits où il y a ça, enfin les puzzles de avec les boules, c'est ça? Sur la carte. C'est tout quoi. Ça nous montre pas où sont les boules. Non, ça montre pas où sont les boules. Putain, mais le domaine il est grand quoi, c'est ouf. Ah oh, putain. Truc complètement par hasard. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec celle-là? Genre, c'est quoi? Ah, c'est un truc. Je vais être honnête, hein, parce que je sais que j'ai vu, je l'avais expliqué, j'avais déjà vu Shaina y jouer, mais je me rappelle juste du gameplay, hein, je me rappelle même plus de l'histoire. Je sais même plus si j'ai vu la fin, honnêtement. Je me rappelle vraiment pas des puzzles. Il y a peut-être quelques combats qui me reviennent, mais c'est tout. Et encore, c'est genre peut-être 2-3 combats. Et des fois, j'ai l'impression de tomber sur... genre sur les choses trop facilement, je sais. Hein, même moi, ça me surprend. Mais je pense que c'est comme ça qu'on se rend compte qu'un jeu est bien fait. Parce que du coup... pour moi, c'est surtout l'expérience en fait d'avoir joué à des jeux comme ça, genre Zelda, hein, est sûrement le plus grand jeu de ce type-là, hein. Tout ça, genre avec Ocarina of Time et tout. Après, ce bruit qu'on entend là, ça veut pas dire que c'est une perle qui est pas loin, ou c'est ça qui fait du bruit. On va monter. Et j'avoue que... Oui, voilà, c'est ça en fait. C'est pour ça que moi, je pense que c'est pas trop facile. C'est pas facile, c'est pas difficile en fait, c'est bien pensé. Et quand on trouve les choses comme ça, on va dire logiquement, je pense que c'est là que ça nous dit que c'est un bon jeu. Parce qu'encore une fois, comme j'ai dit, le coup de... d'avoir de l'expérience, d'avoir joué à Zelda, genre Zelda Ocarina of Time, qui est un des plus connus. Après, Breath of the Wild, c'est le même système, honnêtement. Donc ouais, je suis super heureux, moi, de ce jeu.
Bah après, le moment où j'arriverai plus à une énigme, hein, je vais m'énerver, je vais dire que c'est de la merde. Hein, mais bon, c'est pour le moment, voilà, c'est super jeu. Bon, il ne nous reste plus qu'une boule. Ah, elle est là-bas. J'allais dire, elle peut pas être trop loin non plus. Ah bah oui, mais on l'avait vu en plus. Il faut... une salade. Une laitue. C'est quoi ça? Ah bah elle est là. Ah bah voilà, c'était assez rapide. Qu'elle rebondisse trop. Et je la perds. Je vais faire la gueule. Non, c'est bon. Genre qu'elle rebondisse, qu'elle tombe dans l'océan, quoi. Après, j'imagine qu'elle doit réapparaître dans la coquille. La coquille, dans la... machin. La palourde, la palourde. Voilà. Ah, dis-moi que c'est 10, 15, 20. Oh la vache, plus 12. Ouais, je pensais pas que... D'accord. J'ai été arrogant. En tant qu'architecte du labyrinthe du Minotaure, j'ai recherché la perfection sans manifester la moindre compassion. J'ai tué mon neveu, craignant que son génie n'éclipse le mien. J'ai été obsédé par la grandeur. D'accord, il a tué son neveu. Plus 12, je pensais vraiment pas avoir plus 12. Donc, par contre, il va falloir trouver un moyen, enfin retrouver un moyen de monter. Il y a un jeu, j'arrête pas de... J'ai parlé plusieurs fois d'Horizon. Je vais pas dire que j'arrête pas d'en parler, mais j'ai parlé plusieurs fois d'Horizon. Zero Dawn. Enfin, le deuxième, Forbidden West. De toute façon, les deux sont pareils, honnêtement. J'ai pas fini, j'ai joué quelques heures au deuxième, j'ai beaucoup aimé, mais encore une fois, il y avait des petits problèmes que j'avais expliqués hein, déjà, que j'aimais pas, qui m'ont fait arrêter en fait. Puis après, il y a Elden Ring qui est sorti, et du coup, impossible de retourner sur Horizon honnêtement, tellement que le gameplay était... Il est bien le gameplay, hein, mais il y a tellement des grosses lacunes. Bon bref, après, il y a eu des mises à jour pour rajouter. Mais encore une fois, même maintenant... J'aurais grave du mal à retourner sur Horizon, et c'est con, hein, parce que j'aime beaucoup le jeu. Tu as peut-être offert à Paris le pouvoir, Hera, mais cela ne t'a pas rapporté la pomme de la discorde. Mais non, c'est pas ça du tout. Paris se fichait complètement du pouvoir. Il était un esclave de l'amour. Mais il faut l'amener où ? Si Paris avait su que la guerre de Troie surviendrait, il aurait peut-être choisi le talent au combat que tu lui avais promis en échange de la pomme. Mais là, du coup, elle va pas passer, là. Mais hélas... Ah ah ! Un paradoxe temporel. Wow ! Tu es plus intelligent que je ne l'imaginais. Excuse-moi, j'ai cru que tu m'envoyais un fion, là. Tu peux répéter ? Non, tout va bien. Que tu m'envoyais un fion. On dirait que cette réplique, elle vient de Kaamelott. Elle vient directement de Kaamelott. La pomme de la discorde. On peut dire que ça a fichu un sacré tintouin. Trois déesses qui se disputent le titre de la plus belle. Mais notre héroïne savait que pour Aphrodite, cette pomme symbolisait bien plus qu'un nombrilisme digne de Narcisse. C'est pour cela qu'elle devait gagner. Vraiment ? Et quel symbole Phénix y voyait-elle ?
la liberté. La liberté. Désolé, je me suis laissé distraire. Pas bien. C'est pas bien. Pardon, pardon. Faut voir un peu là. Irrésistible cadeau de mariage offert par une hérisse vexée, ce qui a plongé le monde dans la guerre. C'est bien ça, c'est bien. La guerre. De toute façon, c'est ce qui fait tourner le monde. La guerre et le sexe, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Alors, maintenant. Mon dieu. Ah, putain. Désolé, je suis tombé. Que j'ai moi à tomber des falaises à chaque fois. Donc du coup, retournez voir Aphrodite. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a quelque chose à faire sur le chemin? Attends, elle est où Aphrodite? Elle est là. On va y revenir. Et après, ah. Ah, 399 mètres, on peut le faire. Ouais, c'est ça. C'est là. Il y a quoi? C'est la merde quand même. Est-ce qu'ils m'ont vu? Oui, non, là ils sont en alerte. D'accord. Un truc qu'on pourrait faire, c'est les laisser reset. Est-ce qu'on peut un peu les gruger comme ça? J'ai envie de tester. Genre les faire reset et après re-attaquer. Je pense qu'on peut. Esquiver. Ouh, c'était limite. Se soigner quand même. J'ai quand même hâte de trouver peut-être une meilleure armure. Après, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire. Fragment de santé, bon, c'est toujours bien. 40% la durée d'étourdissement. Ça, je pense que ça risque d'être vachement intéressant pour plus tard. Jauge de combo. Concentration d'énergie.
Énergie triplée. Défense. Vitesse charge à l'arc. 100% fragmenteur, c'est tout son ennemi. Ça, je me demande si on pourrait pas les. Nous, on utilise quoi, la défense? Ouais, mais entre se faire one shot et se régène de la vie, si on se fait one shot, on peut pas régène de la vie. Enfin, si on se fait one shot si on n'utilise pas cette armure. J'ai l'impression. Enfin bref, vous m'avez compris. On pourra jamais régène si on se fait one shot. Je crois que j'ai cassé le seul caillou. On peut peut-être prendre des arbres à la place. Je crois que je l'ai pas mis dessus. C'est bon ? C'est pas bon. Mais ouais, je... La défense reste... reste indéniable. Hein. Je veux bien régène de la vie, mais ouais, comme j'ai dit, hein, si on se fait one shot, c'est un peu à rien. Et non, toujours pas. On n'est toujours pas Kratos. Laurier de l'amour. Ok, c'est la plante vert clair, bof. D'accord, ok. Plus loin encore, plus loin. De toute façon, on va être vachement bien, c'est quand... C'est un défi ? Oh, un échec ! Il ne restera rien de toi ! Il faut que je pense à me mettre en invisible, en fait, pour faire l'explosion. Tu ne t'es pas encore enfoncé de l'arme dans les yeux ? Mais non ! Oh non, merde.
J'aime bien quand elle tapote sur le coffre comme ça. J'aime bien. Il va être bien celui-là quand on sera dans les cryptes. J'ai hâte de faire ça là. 150% d'éternuement. Étourdissement contre les ennemis indemnes là. Ça va être cool. Genre rien que ça par exemple. Ça aurait pu faire de l'étourdissement. Genre un bon 150%, c'est pas mal. Après, j'imagine aussi que c'est géré par le. Par les dégâts. Plus de peur de l'avenir. Oh. Plus d'interrogations sur le moment. Je suis là. Quoi? Peux me mettre invisible quoi. Ça marche. Je me suis enlevé de l'invisibilité par contre, sans faire exprès, mais ça marche. Pute quoi. Ça, il faut l'esquiver. Là, il faut parer. Là, il faut parer. Ouais, là, un bon contre avec la hache, ça serait pas mal. Ah, ça, c'est lent. Rapide. C'est lent à chaque fois. Je me fais avoir. Nickel. Si Phoenix tenait à libérer les héros corrompus des griffes de Typhon, sa tâche était loin d'être finie. Ça va. Ça va. Comme j'ai dit, avec cette armure, c'est cool. Ça fait bien. Par contre, il y a un météore qui s'est crashé là. Est-ce que c'était juste parce qu'il y a des météores qui tombent ou ça veut dire quelque chose? Non, je pense pas. D'armes en plus. Donc on peut se rendre invisible et même devant un ennemi en fait. Ça c'est bien, c'est bon à savoir ça. Même un ennemi en fait peut nous oublier. C'est cool. Bien le ciblage rapide, moi. Enfin,
avoir du mal. On fait la flèche. Marche et on fait ça. Ok, ça m'enlève automatiquement. Ouais, ok, d'accord, ça marche pas. Oh, du mal à les combattre, je le sens. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Oh la vache. Évidemment. Tiens, 6000 dans ta tête. Belle esquive. Belle esquive. Merde, putain, mais esquive, bordel, je fais de la merde. Taper comme un débile, voilà. Mode bourrin, c'est ça. Taper comme un débile, même si on se fait défoncer, c'est bien. Ah putain. Sur la fin, c'était pas fameux. Hein. C'était vraiment, vraiment pas fameux. Ouh, cyclone. C'est une épée, ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'épée. On a très peu, en plus. 22% de dégâts triplé, combo aérien à l'épée. Du coup, on a la variante de la hache, en fait. Ouais, bof. Je pense que... Parce qu'on tape pas trop à l'épée. Quand je saute, je fais souvent des attaques à la hache. Parce que ça fait... Bon, bah... Des fois, on un 700 quand même. Donc je pense que l'ombre de défunt est mieux. Parce que voilà, on a une chance d'avoir des dégâts en plus. Par contre, on peut lui mettre ça. Voilà, comme ça, on a... Pour l'arc, il n'y a pas une... Non, après l'arc, il n'est pas... Ils sont pas en rapport avec les armes, en fait. Là, on a 2-7. Non, enfin, on a un 7 d'armes, là, qui est pareil. Là, vous avez compris ce que je veux dire.
Aphrodite, j'ai quelque chose pour toi. J'en ai assez de tes cadeaux. Pardon, mais mon rôle premier est de donner, pas de recevoir. C'est une autre pomme pour ta collection. Elle est magnifique. Il me la faut. Tu savais que la guerre de Troie n'aurait jamais eu lieu si Eris avait été invité au mariage de Pélée et de Thétis? Quoi? Mais je croyais que c'était une affaire entre Troie et la Grèce. Bien sûr, c'était l'ombre d'Eris. Comment cela a pu m'échapper? Les meilleures fêtes sont celles où la déesse de la discorde vient sans avoir été invitée. Tout le monde sait ça. Combat de filles! Et dire qu'Héra a tiré les cheveux d'Athéna pour une pomme. Sa propre fille. Ah ben oui! Le concours de beauté! On peut savoir quel est le crétin qui a désigné Paris pour être le juge? Il est devant moi. Oui, bon, d'accord. J'avais picolé. Ce n'était pas vraiment la faute de Paris. Héra a proposé de faire de lui le roi de l'Asie et de le couvrir de richesses. Athéna lui offrait la gloire et la renommée guerrière. Mais aucun mortel n'aurait pu résister à la proposition d'Aphrodite. Le véritable amour. Oui, oui, l'amour. C'est celui d'Hélène de Sparte qui intéressait Paris. Alors il a fait ce que tu demandais et a choisi la femme la plus belle. Ce qui, comme tu le sais, a déclenché la guerre de Troie. Je tenais tant à remporter cette pomme. Ils m'ont pas appris ça à l'école. Je la convoitais à tel point que j'ai déclenché une guerre pour l'avoir. Pour Zeus, tout ce qui est arrivé ensuite était ma faute. Tu as agi conformément à ta nature, Aphrodite. Voilà pourquoi il vaut mieux que je sois privée de mon essence. Ma nature n'a causé que souffrance. C'est là que tu te trompes, Aphrodite. On ne peut pas avoir le côté d'une pièce sans l'autre. Ta passion, ta spontanéité et, disons-le, ta jalousie et ta vanité ont fait souffrir, oui. Mais sais-tu à quoi elles ont aussi donné naissance? Non, à quoi? Certaines des plus belles aventures, des plus grandes épopées et des meilleures histoires que le monde ne connaîtra jamais. Je le sais, je suis moi-même conteuse. D'accord, on court moins de danger si l'on reste chez soi, mais tout est plus beau en couleur. La passion vaut bien la souffrance. Il y a dans cette crypte l'expression de ma jalousie et ma nature la plus sombre. Si tu y entres, le monde me jugera. Et on m'a déjà jugée. Aphrodite, modère-toi. Aphrodite, tu es insupportable. Aphrodite, tu n'apportes que des ennuis. Aphrodite, Aphrodite. Celui qui t'a dit ça te doit des excuses. Ce n'est qu'un crétin. Oui, bon, je l'ai pas dit comme ça. Ah, tu crois? Tu n'as pas à être en compétition pour mon amour, ni celui des autres. Tu es parfaite. Et d'ailleurs, être aussi belle et vouloir en plus une personnalité impeccable... Ouais, elle ment bien quand même. C'est presque pénible. D'accord. Je vais déplacer cette racine. S'il te plaît, accepte cette bénédiction avant d'entrer. Tu me retrouveras à la halle des dieux. Bon, allez! Dégagez-vous tous! Ça commence à bien faire! Allez jouer ailleurs! Waouh. J'ignorais totalement qu'Hermès et Aphrodite étaient si proches. Ils ont même eu un enfant ensemble. Oh! Un garçon ou une fille? Non, non. Ah, je vois. Un enfant de genre non-binaire. Ma parole, Zeus. Mais Prométhée, je suis un dieu! Je connais le monde. D'accord. Je vois un peu la... ça. Donc là, nous, on avait 20 000 de cooldown, donc on ressuscite si on meurt. Maintenant, on a... Être touché une fois réinitialise pas la jauge de combo. Tu vois? Ah oui. Bah, c'est bien.
Je vais être honnête, je sais toujours pas ce que ça fait le combo. Je sais pas s'ils me l'ont expliqué une fois. Et j'ai pas vu c'est quoi le didex. Je crois que ça augmente les dégâts. Je dis ça depuis le début, mais en fait j'en sais rien du tout. C'est où combo? Avancer, jauge de combo. Atteint une nouvelle valeur après un certain nombre de coups ininterrompus. Chaque nouvel combo augmente encore les dégâts infligés à l'ennemi, mais un coup subi réinitialise la séquence. Certains sauvetages peuvent aussi accroître les effets des nouveaux combos. Ouais, c'est bien ça. Si on fait par exemple des gros dégâts avec, je sais pas, notre attaque de marteau, faudrait leur faire plein de combos avec l'épée. Puis après faire le marteau, pas faire le marteau directement. Bon, du coup, elle est où ta la racine? Bah, elle est pas loin en fait. Potion là-haut. Après, j'avoue que je fais pas vraiment attention au combo, donc est-ce que c'est très très grave? Ah ok, ça marche, j'ai compris, c'est là où c'est le défi d'Ulysse en fait qu'il faut faire. De l'Elios. Même pétrifié, il se dégageait d'elle l'odeur du châtiment d'Aphrodite. Littéralement. Je crois qu'ils nous ont vus. Tu sais que c'est un complot quand même. Parfait. Une bande de femmes de Lemnos a décidé de tuer tous les hommes et tous les mortels ont accusé Aphrodite, disant qu'elle les avait fait sentir aussi mauvais pour que leur mari refuse de les toucher. Ce qui a une certaine logique. Tu n'imagines pas ce qu'on apprend en passant l'été sur Lesbos. Sont horribles ces dieux. Faudrait que quelqu'un les tue tous. Je vais citer aucun nom. J'ai l'impression que ça dure plus longtemps aussi l'endurance. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais j'ai l'impression qu'elle se réduit beaucoup plus lentement. C'est quoi ça? C'est un boss ça? Ça se réduit beaucoup plus lentement. Depuis qu'on a l'habilité pour diriger les flèches. Alors,
qu'on voulait se concentrer ouais, sur des fonds. On va attendre du coup. Putain. Enfin, je peux même plus faire potion de. Potion d'attaque. J'espère qu'on va trouver un endroit en fait pour pouvoir récupérer les fleurs rares là, pour la défense et l'attaque parce que c'est un peu relou en fait. Ok, 150. Encore heureux qu'on les a bien augmentés hein, parce que si on les avait pas augmentés que ça servait à rien en plus. Enfin, si on les utilisait, qu'on n'avait pas beaucoup et que leur effet était pas top. Non, ouais, lui on devrait l'avoir facilement. Tiens, 3800 dans ta bouche. Merde, je pensais avoir le temps, mais... Il m'a touché, ce con. Ah, j'ai pas eu le temps, il est rapide ce con. J'ai du mal, en fait c'est le nez. Le pic, c'est la pointe du nez qui touche. Ah, on peut lui renvoyer les projectiles aussi. Ah, un peu. Ouais, c'est pas mal. Ah. Même l'oiseau hein, fait beaucoup plus mal avec la potion. Même l'oiseau. On faisait du 140, 150. On dit que ses ailes sont alourdies par la douleur ressentie par une femme jadis belle et depuis transformée en gorgone. Huh. J'aime bien comme quand elle déploie ses ailes parce que ça fait vraiment comme si c'était les siennes quoi. Genre ça fait comme si c'était une... Ouais un truc ailé quoi. Peut-être avec cette armure ça va bien. Avec celle-là, je dirais. Aile de dédale. Et pour nous. Je vais voir un peu comment elles sont.
Ouais, même pas trop. Je préfère regarder ça. Les ailes mécaniques. Là, ça sera les ailes de monstres. D'épouvante. Et là, ça sera des dalles. Du coup. Bah, du coup, j'ai fait ce que je voulais faire. J'ai vu qu'on avait eu des récompenses aussi. C'est là qu'on doit aller? Bon, chaque fois je me loupe. Non, s'il faut c'est en bas en fait. Je crois que c'est en bas. C'est là. Ah. Ouais, on m'avait pas dit ça. On m'avait pas dit ça. Sans déconner. Oh, il y a le typhon. Ça, c'est Zeus. D'Aphrodite. Crypte d'Aphrodite. Alors, du coup... Bon, on va rester comme ça. C'est juste que si jamais on doit combattre, on se mettra avec le casque. C'est quoi, ça? Je crois que c'est juste de la décoration, des lampes. Ah, on peut s'accrocher ici par contre. Ah, ok. Donc c'est pas une crypte comme les autres, d'accord, en fait c'est... Merde, il y a vraiment des trucs cachés. Je sens qu'on va rester longtemps. Mais putain, c'est pas si haut que ça, quoi. Comité d'accueil. Comité d'accueil.
ça, c'est, ça marche bien, 81. Vous ramenez les machins. J'arrive pas à le cibler ça. Sorte de gaz. On dirait une graine. Oh, elle vient de l'arbre d'Aphrodite. Mais Typhon l'a empoisonné. Il l'oblige à garder sa propre essence. C'est pervers quand même. Phénix devait brûler les graines pour faire souffler le vent de la pureté. Bien ce que je pensais. Me disais. J'ai ralenti la flèche pour les laisser parler. Bon après, vu qu'on peut s'accrocher aux parois, ça va être trop trop chiant. J'arrive, Aphrodite. On va se débarrasser de ces pépins. Ok, faut pas aller en bas. Merde. Ok, il faut du feu. Là-bas, il y a du soin. Mais attends, je peux pas aller là. Enfin, après, je peux me faire violence, hein. Ça fait mal, hein, mais ça passe. Est-ce que je peux ouvrir par contre? Ah, ok. Ok. On va aller récupérer du soin. Ah bah voilà. Ça fait quoi ça? Ça va, nous on a utilisé le double de phosphore là. Le de la petite boîte. Croisé ici, ça c'est cool. Je vais refaire un petit tour de scan là, juste au cas où. Mais je pense que. 236 mètres, est-ce que. Non, on doit faire le tour, je pense. Thank you.
Tu veux que... Putain, c'est quoi ce qu'il y a par terre? Ah, attends, oui, du coup, ah oui, non, mais c'est la petite boîte. Non, c'est la boule, pardon. Allez, brûle, saleté. Nickel. Eros ferait bien de se calmer un peu. Il n'y a qu'une divinité de l'amour sur l'Olympe. Ah non, là je peux pas. Non, il n'y a pas toutes les parois en fait. Genre tout ce qui est mur, je crois pas qu'on puisse agripper. Genre là, là je... Non, ouais, là je peux pas. La vie. Ça sent le combat de boss. Non, ça sent le truc empoisonné. Non, attends, on a... Elle est où là? Ah ok, elle est là. Mais il faut la... Elle était juste devant moi quoi en plus. Comment on fait? Est-ce que ça veut dire quelque chose, ces racines là qui traînent? Est-ce que, genre, il faut les emprunter? Est-ce que c'est un autre chemin? Genre ça, c'est quoi ça? C'est de la décoration ou c'est un endroit? Après, j'ai vu qu'il y avait un chemin à droite. On peut voir. C'est une porte. Si je rentrais... J'ai aidé Athéna en lui disant d'arranger le nid de hibou qui lui sert de cheveux. Oh là là, ma chérie, ça va pas du tout. Putain de merde quoi. Mais bon. Ah là là, tous ces trucs qu'on utilise pour rien quoi. On aurait pu tout simplement utiliser les soins, il y en avait 3 en tout cas. Bon après c'est les potions. C'est pas... Mais les potions de défense et d'attaque là. C'est du gâchis. Ah, j'aurais dû direct le faire.
croissance, pas mal. C'est joli ça. Ah, dans le gaz. Enchaînement. Non, putain. 691. Ouais, on est à 33. Ouais, bon, là, j'ai fait un peu plus de. D'épée pour voir le. Les dégâts, comment on pouvait les augmenter. J'avoue que oui, c'est sympathique, quoi. Puis maintenant, c'est vrai que. Bon, avec la. Avec Aphrodite, ça permet de mieux tenir. Hop, il y en a une deuxième. Je crois qu'elle est là. Ah putain, redresse. Coffre juste là. Faudrait que j'ai regardé. Ah mais le truc il bouge lol. C'est ça. Flambe. Lolilol. Quoi ce bruit? Alors... Ça c'est la fin. Nous il faut qu'on aille là-bas pour un coffre. Est-ce que c'est le dernier? Non, c'est pas le dernier. Putain, c'est grand. Ok.
il nous faut du feu là. Eh, t'es où? T'es à droite. Il nous faut une boule. Je crois que j'ai trouvé. Ok, il nous faut un interrupteur. C'est bien, ça, ça évolue. Ah bah voilà. Ça évolue nos besoins. Ça va, un mix de puzzles et de petits combats et tout. On va sûrement avoir un boss, bah. Enfin, quoique. Ça a pas l'air d'être une arène, en fait. La racine. Là, c'est tout petit, l'emplacement, donc c'est étonnant qu'il y ait un boss. Du coup, ça, c'est... pourquoi on fait ça, en fait? Pour monter sur le toit. Partir. Je vois pas du tout. Ça aussi s'en est. C'est un trou de mort, on est d'accord. Si on tombe, on crève. Ouais, je... Ça m'a fait peur. Ah d'accord, j'ai compris en fait. C'est pour la boule, c'est pas pour nous. Ouf. Elle doit aller où la boule? Pour le moment. Ça fonctionne, c'est le principal, mais je vois toujours pas. Pas du tout là. Attends, on a qu'à continuer. Continuer à avancer. Ah, j'en vois une de racine. Vu qu'on sait pas où elles sont, on va dire que des fois ça fout un peu la merde.
une. Après, je pense que le... La crypte, elle est pas basée sur le fait d'avoir notre... update, notre amélioration là des flèches. Honnêtement. Parce que les mouvements sont très simples à chaque fois. Bon, il nous faut une boule. Est-ce qu'on peut avoir une boule? Ouais, je pense que là. Ouais, ça doit être là. Très bien. Pas mal de les tirer comme ça, honnêtement, c'est cool. Arès pense peut-être qu'il me tient à sa botte, mais je fais ce que je veux. Ah, ok, ok, j'ai compris. Ah ben putain, tout ça pour ça. Wow. Aussi chaud qu'une flamme éternelle. Tu vas redevenir toi-même, Aphrodite. Ah, tu vas redevenir une saloperie apparemment. C'est bien. Attends, tu vas dire qu'il est au même niveau et que je l'ai pas vu. Oui, non, mais je comprends pourquoi je l'ai pas vu. Quoi. Je n'ai pas concentré à le trouver. Oh cool. Je me demande s'il y a plus de foudre et d'ambrosie que prévu. Parce que là, est-ce qu'on peut refaire la crypte du coup ? Je crois normalement. Coffre ici. Il est presque, il est presque. Maintenant il reste plus que celle-là. Franchement, Perséphone, retourner chez ta mère la moitié de l'année, ce n'est pas le cycle des saisons. Elle se sert de toi. Grandis un oh. peu. Oh là, doucement. Boule de feu. Et ici. Hop là. Ok, ça c'est cool. D'accord. Ah, tu crois qu'on peut la brûler ? Yes. J'aime bien parce que honnêtement le jeu il est grand, il est long et tout ça, tout ce qu'on voulait. Mais merde, on va très très vite en fait. Donc, genre tous les épisodes ça a été que de l'avancement. Genre on n'est jamais resté coincé, on va quand même très vite dans tout ce qui est puzzle et tout. Donc ouais, non, franchement c'est cool. Genre même là, s'il y a beaucoup à faire, on y arrive vite. Oh, il y a un truc.
Allez. Nickel. Bingo. Une bonne chose de faite. Allumer le feu. C'était la dernière graine. Il est temps de rendre à Aphrodite sa liberté d'esprit. C'est bien français, ça. Attends, parce que j'ai vu un coffre. Oh merde, dis-moi que je peux remonter. Bon. Pas grave, on perd la moitié de notre vie. Ouh, c'est... Ah putain, c'est notre oiseau. Je me suis dit, putain, il y a un boss. Attends, j'ai vu des perles. Des perles à gober. Désolé si vous entendez du tap-tap. C'est apparemment quelqu'un qui fait du marteau. Apparemment, ils font tout le temps des travaux. Pour zéro raison. Ah! Là. Oh, 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 bien trop. Okay. Ouh, de l'ambrosie encore, yes! Je crois qu'on a fini un niveau coffre. Là-haut qu'on doit aller. Bah non, il n'y avait pas de coffre. Je sais. Oui, ça doit être là-haut ou là. Je sais pas. Continue d'avancer, on va voir. Ça, on y est allé. On fait le coffre. Quand on fera ça, qu'on aura fini. Si j'avais pu aimer quelqu'un comme Héphaïstos. La vue de son visage donne envie de sombrer tout entière dans le Styx. Et en bas, oh, autant dire que ce n'est guère mieux. Je ne voulais pas être si dur avec Aphrodite, tu sais. Parfois, on pense faire preuve d'amour envers quelqu'un. Mais ce quelqu'un n'est là que pour assouvir nos propres besoins. Tu veux dire qu'en réalité, j'ai besoin d'être protégé? Pas exactement, mais... Non mais c'est vrai. Je dois me montrer fort pour tout le monde. Mais il n'y a personne pour veiller sur moi. Oh merde. Je pensais... Bah oui, non, bah peut-être boss alors. Vu la gueule que ça, oui, non, oui, non, ça c'est un boss. Ah, c'est un truc volant. Eh, je peux pas faire ça. Osmen, la tornade. Osomen. Mon dieu, c'est... Je sais que... Alors, je vais peut-être pas pouvoir... Oui, non, si, ça va. 24 dégâts... Défense... Okay, on est bon, les gars. Ah! T'as des mecs qui t'aident.
Tiens, je te renvoie des trucs. Moi, je suis loupé trois fois. C'est bon ? J'ai du mal à... à comprendre son pattern, en fait. Oh, mais attends. On peut toujours te faire des dégâts, en fait. C'est faux. Il avait trouvé le moyen de me forcer la main. Ce qui est impressionnant. Alors je me suis dit qu'il ferait un bon fils. Mais c'était déjà ton fils. Peut-être, mais c'est la seule fois où il en a été digne. Putain de merde. Peut-être pas abuser sur 5-3. Ah putain, j'ai tout coupé. Oh la vache. Tiens. Ah, pour les boss, il y a pas à dire, hein, on est... Je te ferai volontiers un câlin, mais je suis en chimie. On a du bon équipement. Oh, on est même pas mort. Non, non, pour les boss, on a du très très bon équipement. Vu les baffes qu'on se prend et tout ça, bah encore une fois les potions, encore une fois ça aide, hein. Genre full attaque, full défense, on prend pas cher, on fait très mal, donc ça peut que aller en s'améliorant, quoi. Donc là il y a rien, on est d'accord, ouais, c'était juste l'arène, quoi. Une note ténue de parfum flottait dans l'air. Cette senteur, c'est à la fois la gêne, le pouvoir et la crainte. C'était l'essence d'Aphrodite. Le dédain dans toute sa splendeur.
C'est bien, il y a même sa, sa bouche qui bouge et tout, ce qu'elle parle en fait. Je pensais que c'était dans sa tête, mais en fait, non, elle parle. Ah merde, j'ai loupé. Ah putain. Yes, un. Impassible devant les pensées teintées de jalousie qui peuplaient la crypte, Phoenix était résolu à rendre à Aphrodite son essence. Alors là, téléportation. Téléportation, il faut qu'on... faut que je me repose. Passe un break. Et en plus, on a plein de trucs à déverrouiller. Tu redonnes de la vie à cette vieille halle poussiéreuse, Aphrodite. De la vie végétale, mais de la vie quand même. Il y a un truc aussi, c'est que même si on n'a pas le LED qui affiche en disant « Ouais, tiens, vous avez assez de, d'objets pour augmenter votre, votre arme et tout ça », il y a ces crans-là qui s'affichent, en fait. Donc on le sait toujours. Par contre, j'ai pas récupéré de la vie en plus, moi. 3, 6, 7... Non, je crois que j'en avais déjà 7. Dès que je frémis, les écureuils arrivent. Et il y a un nid dans l'une de mes branches. Je t'avais dit que je te rapporterais ton essence. Je n'en doutais pas, mais... Me vois-tu sous un jour différent, maintenant que tu connais mes pensées les plus noires ? Loin de là. J'ai hâte de connaître ta vraie nature. Parce que, entre nous, Hermès a vraiment besoin de changer de coiffure. Hein ? Quoi ? Oh, très bien. Je suis prête. Puisse ta passion et ton amour être à jamais infinis. Lève-toi, Aphrodite, déesse dorée. Belle, j'aurais bien voulu qu'elle soit comme celle de Dark Souls 1. Là. Tu restes sans voix ? Oh, je comprends. La fille de machin. Te rends-tu compte qu'il a fallu que tu me persuades de réintégrer ce corps ? Quand j'y pense. Avec ses seins énormes. Sans toi, j'aurais fini par perdre tout amour propre. Bah, ça, je te l'ai volé il y a des années. Clairement, oui. Tu donnes l'impression de t'aimer beaucoup trop. D'ailleurs, à l'occasion, tu devrais faire une lessive. Non, ravi de te retrouver. Phoenix, accepte ma dernière bénédiction en remerciement. Prête à vaincre Typhon ? Je suis même impatiente d'en finir avec l'horrible bête qui m'avait volé ma beauté. Mais il y a une autre chose pour laquelle j'aurais besoin de ton aide. Dis-moi ce que c'est. Typhon a fait sortir du Tartare 4 bêtes mythiques afin de terroriser les créatures de l'île d'Or. Si tu parvenais à les tuer pour mettre fin à leur règne, je t'en serais extrêmement reconnaissante. En temps normal, je m'en ficherais, mais je m'adoucis, que veux-tu ? Je vais m'en occuper. Je n'en attendais pas moins. Je suis sûr qu'on en a fait plein, déjà. Des bêtes. Elle a dit 4. Ce doit être agréable de ne plus être un arbre. Je crois qu'on en a fait 3 au moins. C'est un soulagement. Il me reste quelques fruits. Quelqu'un veut une pomme ? Non, ça ira.
Je ne sais même plus si j'ai un estomac. Pas d'estomac peut-être, mais... Oh, quels abdos! J'ai l'impression de les voir à travers le tissu. Régime méditerranéen? C'est un peu trop, non? J'ai envie d'être en forme, mais sans être une de ces personnes, là. Tu vois? Ça va, tu es bien. Très bien. Très, très, très bien. Wow. Sinon, okay. Moi, je fais quoi, en fait? Une quête? Bah, tu les regardes. Si tu cherches à acheter quoi que ce soit, dis-le-moi. Tu les regardes sans voyant. Les... Je sais pas. Là, je dis ça. Je dis ça, je dis rien. Ouh. Ouh. Faut que ça aille plus vite, là. Ouh. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu ici, je crois. Ouh. Ouh, non. Ouh, non. Ouh. Alors, beaucoup de trucs qui vont s'afficher là-bas. On a débloqué tous les skins de l'arc de base. Pareil pour l'épée. Arc au tir précis. Ah, on a une nouvelle arme. Ouais, c'est un nouvel arc en fait, ça. C'est, par contre, c'est pas un skin. Ça aussi. Obus épée du vainqueur. Ouais, après on a foudre de Zeus, c'est le truc. Alors fais voir, fais-moi rêver. Bonsoir dégâts et combos à l'épée et énergie au complet. Faut voir comment elle est, je crois. Après l'épée de base, ça va un peu les skins. Ouais, la lame elle devient bleutée à chaque fois. Tout le sang du sort, cette épée servie des héros, vivent dans les règles à le regarder. Plus chaude est la flamme de la forge, plus robuste, tranchant la lame, celle-ci vient sûrement d'une forge très chaude. Donc on pourrait... Maintenant qu'elle a connu les feux de la force, attache et dorée, nouvelle vie renforce également. On peut les mettre à jour en fait, les skis. Merde, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je fais n'importe quoi en fait. Ça. Ce que je voulais faire, c'est prendre celle de base et les mettre. Non, il faut d'abord que je les équipe en fait. Voilà. Mettre la dernière version parce que ça fait comme si c'était une mise à jour en fait. Bon, par contre, ça, j'ai pas compris. 11% de dégâts avec combo à l'épée. Et énergie au complet. Genre on a 11% de plus si on a l'énergie au complet, c'est tout. C'est pas... Pas top. Alors ça, épée du de conquérant. Concurrent. Qu'on reconstitue 100% d'un fragment d'énergie lorsque coup fatal... Attends, on l'avait celle-là ou pas? C'est quoi qu'on a débloqué? Non, c'est ça. Et ça, on l'avait. Et après, on a eu quoi? Après, on a eu un arc. Je tire l'arc, l'énergie est complète. La construction de 80% d'un fragment d'énergie lors d'un tir dans la tête. Il est joli en plus. Ah, là aussi, il y a un effet pour dire qu'on peut, on peut augmenter. C'est vraiment bien en fait ce système. Alors, en fait, je vais voir. Alors, les dégâts du premier coup subi après ingestion d'une quelconque potion de buff sont ignorés. Cool, ça c'est cool ça. C'est très très bien ça. Ça c'est très bien du coup. Un petit buff pour mettre des potions. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'éclairs autour d'elle.
pas de l'électrum qui te brûle les poches? Nickel. Il nous faut du violet. On a 10 000 bleus. Du coup, on peut augmenter une arme. Je dirais la hache. Je dirais la hache, oui, on passe à 4. Comme ça, on débloque des habilités. Genre tempête. Donc elle passe à 26%. Et là, on va débloquer plus 50% d'étourdissement avec percussion à la hache. Avec percussion à la hache, c'est-à-dire quoi, percussion à la hache? C'est une habilité percussion ou c'est... Je sais pas. Reconstruction 100% des fragments de santé hors des parades parfaites. Putain, ça c'est bien ça. Je savais pas qu'elle faisait ça. J'avais pas fait attention. 50% d'étourdissement avec la contre-attaque à la hache. J'suis en train de me demander si... Enfin, les dégâts triplés, ça fait super mal, on est d'accord. D'accord. Mais le truc, en fait, faudrait genre jouer avec celle-là. Parce que 52% de dégâts pendant les parades parfaites, c'est super. Et après, il y a 50% à l'étourdissement avec les contre-attaques à la hache. Donc, si on prend l'habilité de contre-attaque à la hache, cette truc, elle va être du tonnerre, quoi. Donc, attends, percussion. Faut que je regarde ce que c'est, percussion. C'est où les habilités, aptitudes, percussion, ça? Non, ça c'est Charles d'Athéna. Je sais pas ce qu'ils veulent dire avec la percussion. Ah, immunité au laser. Ah, ça tue? J'avais pas fait attention à ça. Je sais pas ce qu'ils veulent dire par percussion, ça m'emmerde ça. Ah, percussion à la hache. C'est ça, alors c'est l'attaque frappant violemment le sol en générant une onde de choc repoussant les ennemis, inflige 204 d'étourdissement. Acquisition à la cité industrielle, voilà. Parade de la hache. Ah, ça m'embête là. Après, si on fait ça... C'est bon. Là, c'est 1700. Bah, le temps qu'on trouve 700 et quelques roses, enfin violettes, là, je pense qu'on aura récupéré les 5000. Donc, autant faire ça, quoi. Oui, oui, alors largement, oui, même. Ah, par contre, du coup, on peut augmenter ça au max. Ça, on peut faire niveau 4. Donc là, on gagnerait quoi? Alors, création de 2 orbes d'énergie pour coup porté avec l'attaque sprintée à l'épée, c'est intéressant. Nous, c'est ce qu'on utilise, cyclone... Non. Non, c'est combo aérien. Reconstitution 100% des fragments d'énergie lors d'une esquive aérienne parfaite. Ouais, ça bof. Création de 3 orbes d'énergie lors d'une esquive parfaite. Épée d'Achille. Reconstitution 80% d'un fragment de santé lors d'une esquive parfaite. Et nous, on utilise quoi? Je sais même plus ce qu'on utilise, nous, vraiment. Dégâts de combat énergie complète. Triplé. C'est ça, nous on utilise ça. Donc création de 2 orbes d'énergie pour coup porté avec l'attaque sprintée d'épée. Ouais, ça, on peut utiliser ça, c'est intéressant. Reconstitution 100% de fragments d'énergie lors d'un coup fatal avec le combo aérien de l'épée. Ouais, c'est pas top. Hein. C'est pas top tout ça. Bah après niveau 4 c'est bien parce que voilà quoi. Bon, ça fait chier parce qu'on va pas... On va devoir farmer quoi pour revenir à 5000. Mais bon, ça met tellement de temps de trouver les roses là, les violets. Voilà.
va devoir voir ce qu'on prend comme habilité, parce que là, je sais pas du tout. Voilà, défense. Trois fragments, quatre fragments. 9 de vie. Nous, ça remet 6 de vie. Et on a 7, je crois. Quand elle fait pas les potions, elle lave le pot, en fait. Attends, on a 7. 2, 3, 4, 6, 7. Ouais. Donc, à la limite, la potion de vie, on n'a pas besoin de l'augmenter pour le moment. Par contre, la potion d'énergie, ça peut être intéressant. Ou alors, on save jusqu'à ce qu'on récupère 100%. Je dirais save pour récupérer jusqu'à 100%. Ça. Oh, ça c'est la merde. On va devoir faire 100. Sans les potions d'attaque. Si tu veux acheter, j'ai des choses à vendre. Tais-toi. Tais-toi. ...1036 de dégâts. Je pense que ça peut être pas mal. De réfléchir à des trucs qui pourraient vraiment être intéressants. Putain, mais c'est énorme l'étourdissement avec la hache. On va jouer tout à la hache, honnêtement. 927 d'étourdissement. Contre-attaque à la hache. Et là, je pense qu'on va prendre. Donc ça, c'est génère une onde de choc vers l'avant qui inflige des dégâts et des étourdissements. Je suis en train de me dire, est-ce que ça vaut le coup de faire une onde de choc ? Je pense. Ça ferait 8, 16. Ça. Voilà, on a ça. Ça c'est. Bah après c'est que 8 de toute façon, on est d'accord. Ah oui, il y a des trucs à 5. Ça peut être pas mal, peut-être. Une attaque puissante repoussant les ennemis, infligeant des dégâts et d'étourdissement. On va peut-être prendre le combo. C'est plus simple. C'est le plus banal. C'est comme j'ai dit, plus on a d'habilité, moins je vais. Je voudrais. En fait, je voudrais faire la DMC, quoi, la début, mais quoi, c'est-à-dire genre faire des combats super jolis, éviter de t'utiliser peut-être toujours la même chose et tout ça, même si on utilise beaucoup genre le lancer de cailloux et des trucs comme ça, je suis d'accord, je voudrais utiliser des habilités un peu différentes à chaque fois, mais je sens que je vais oublier, quoi.
Ah ok, elle peut le maintenir indéfiniment. Ça va. Ok. C'est pas très lent en fait au final. Hop, là on est au max déjà. Ça c'est le normal. Ah non, honnêtement ça va faire mal hein. Ça va. Les yeux violets là qui font peur. Bon, par contre, c'est par rapport à l'arme qu'on va utiliser. 50% des survivants avec les percussions à la hache. On n'a pas percussion. Percussion, c'est on maintient et on saute là. C'est ça la percussion. C'est quand on tombe. Nous, on a pris le combo parce que c'est vrai que quand il y en a plein des petits là. On peut les, tous les défoncer d'un coup, c'est simple. Donc est-ce que il y aurait moyen de mettre autre chose que 26% triplé, oui c'est bien, 52% de dégâts pendant 6 secondes pour une parade parfaite. Je pense passer peut-être à celle-là. Et contre-attaque à la hache. Quand on a bien pris la contre-attaque, hein, on est d'accord. Ouais, contre-attaque à la hache. Et en plus, là, on a... Voilà. Ça, c'est bien aussi. Ça, c'est un truc... désolé, je fais un peu beaucoup de parler, mais... Le fait de quand on met des armes, on voit si elles influencent, en fait, sur des compétences. Genre, il y a un plus, quoi. Donc là, on a 50% d'étourdissement avec en plus. Donc, c'est 1390 d'étourdissement. Donc, on a 50% dessus. Et là, la parade parfaite, on a 50%. 2% de dégâts. Si on arrive à faire une parade. L'arc, c'est les trois premières flèches, font plus mal. Et là, on a quoi? Ah oui, on a ça aussi. Donne bonus de dégâts. Donc c'est vraiment sympa. Ouais, je pense qu'on va passer à cette hache. Va falloir que... Les dégâts triplés, je suis d'accord, c'est bien, mais... Je pense que ça peut être mieux. Surtout pour les boss, en fait. Si on arrive à parer et tout. Faut juste qu'on part, quoi. Faut juste qu'on part. Après, en épée... Alors, l'attaque sprintée, on l'a pas. L'esquive parfaite, ça peut être bien. Esquive aérienne, c'est chaud à sortir. Je dirais peut-être qu'on pourrait tomber sur l'épée d'Achille. 39% de dégâts avec combo à l'épée lorsque santé est complète. Et reconstitution de 80% d'un fragment de santé. Là, c'est reconstitution de 20% fragment d'énergie. Genre d'une esquive. Non. Ouais, je pense que... On peut peut-être retourner avec ça. Ah merde, c'est vrai qu'il faut à chaque fois aller... Je voulais juste remettre la... Le skin de l'épée originale. Ah, réinitialiser. D'accord. Ouais. Une esquive parfaite et une parade parfaite. On va devoir jouer comme ça en fait. Là on peut mettre à sortie. Je pense que pour les boss c'est la même chose. J'avoue que ça oui ça peut être pas mal. Un tempête reste extrêmement bien. Mais ouais, le coup du
Ah, mais ça prend même pas en compte les skins en fait. Enfin, non, les skins ils sont même pris en compte par les sets. J'avais pas fait attention à ça. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. On va sauvegarder. On continuera la prochaine fois. La prochaine fois, on va faire... Ben, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah oui, tuer les bêtes, apparemment. Tuer les bêtes, c'est quoi ça? Talons des talons. Vaincre Achille. Ah tiens, on peut aller tuer Achille maintenant. Et là c'est quoi? La bête légendaire, 3 sur 4. Ouais, c'est bien ce que je pensais, on avait déjà 3. On peut faire Achille et après la bête. La prochaine fois on fera ça. Je pense que Achille, on va... On risque de bien le défoncer si on arrive à bien jouer par rapport au... Tais-toi. Par rapport au... à contrer avec la hache et faire des contre-attaques avec la hache en fait. Là, ça peut être vraiment cool. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao. Attendez, comment on fait? À la prochaine, ciao.